Alors, bonjour à tous et merci d'être venus de près ou de loin pour la présentation de nos travaux réalisés sur les deux dernières années. Famille, amis, vous êtes tous les bienvenus en cette circonstance. Je ne suis pas une professionnelle du micro, mais plutôt des métiers de la mode. Notre décor est pompeux ce soir, New York, Londres, Paris et Giseni, pourquoi pas aujourd'hui capitale de la mode. Notre affiche, tout le monde l'a vu, nous l'avons voulu sobre à notre image et aux adhérents qui vont présenter leur création. Les ateliers d'Ambroisine existent depuis plus de 20 ans à Giseni. C'est aussi mon prénom. Un atelier où il fait bon vivre entre création, tolérance et amitié. Le but de cet atelier est de promouvoir la création d'événements sur mesure. C'est ainsi qu'avec leur patron réalisé à leur mesure, en tenant compte des tours de poitrine, de taille et de bassin, elles peuvent créer des manteaux, des pantalons, des jupes, des robes, tout ce dont elles ont envie, et on est sûr à peu près du bien-aller du vêtement. Donc c'est quand même intéressant de ce côté-là. C'est ainsi qu'à... Oui, voilà, je l'ai dit ça. En fait, dans leur création, rien ne les arrête. Quelquefois, elles vont un petit peu loin. Et on se croirait quelquefois dans un atelier haute couture, prêt à porter. Mais vraiment, c'est du beau travail. Même pour les débutantes. Les mensurations sont vérifiées à chaque rentrée, des fois qu'elles se soient lâchées pendant les vacances. Voilà, alors en toute simplicité et appréhension, les voilà prêtes dans les coulisses. Ce ne sont pas non plus des professionnels du podium. Vous allez donc pouvoir les encourager fortement. Elles ont entre 50 et 77, 78 ans. On n'a pas choisi de mannequin. Donc c'est comme elles sont avec leur morphologie et vous verrez que ça leur va très bien. Alors nous avions commencé l'année par des manteaux, on me dirait c'est peut-être un petit peu hasardeux, mais les manteaux en laine douillée, c'est confortable pour aller au curmic là-bas travailler. Confortable et on a trouvé une technique très adaptée, même aux débutantes. Les adhérentes que j'ai là avec moi, certaines sont là depuis longtemps, mais il y en a qui ont démarré l'année dernière et qui ont démarré par un manteau. Et vous verrez que le résultat est satisfaisant. On fait déjà des cours. Alors, c'est Marie-Lise qui va se lancer la première. Raté. Et vous voyez qu'elle porte. Porte...
Il m'a dit,
avec l'eau, ça va jamais à pour produire, on en fait deux ou trois. Manteau blanc. En voilà, je crois qu'on a, montré tous les manteaux en laine moulinée. D'autres manteaux ont été faits de façon différente à leur style. Alors c'est l'idée. Bon, elle a voulu comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. Ils m'ont manqué la même place. Bon, alors, Anne. Anne présente. L'événement d'Aurélie, qui est notre artiste vitraliste, elle ne peut pas présenter cet événement, donc Anne a remplacé. Alors, elle marie les tissus comme elle marie le verre. Elle a fabriqué ses boutons dans les tons de son manteau. Donc, elle n'a pas peur non plus de marier les tissus du coton, du lainage et puis du molleton. Vous voyez ? Un beau travail. Alors ces dames ont enlevé leur manteau pour passer maintenant avec leur robe. Manon Lorme, Marie-Lise. Voilà une robe. Facile à porter. Alors toutes ces robes là ont eu la même base et chacune a tracé ses découpes comme elle voulait. Alors Anna travaille depuis longtemps avec moi et mon collègue. Robe facile à porter en toute occasion. Elle est bleue marine. Heureusement, ton mari est là. Bon, on peut l'applaudir.
bien avec son manteau, on se prête aussi d'événements dans le monde. Merci. Oui, Janine. Surjeteuse. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en tout cas, elle donne du fil à retordre souvent parce que la machine a 4 piles. L'enfilage est très compliqué. Elle a beaucoup de possibilités et donc pour l'étude de cette machine, on passe bien une journée. Alors, une fois qu'elles ont acquis la méthode, eh bien, elles peuvent se faire des t-shirts, des sweats, des robes, des pantalons en maille. Enfin, ça avait été, elles font beaucoup de choses pour elles et pour les petits-enfants. C'est vrai que les petits ne sont pas beaucoup présents là. On a travaillé l'année dernière pour les enfants, la méthode des petits. Mais l'événement a été porté et bon, la plupart du temps, ils font des bons. Et ils ne sont pas toujours là. Voilà. Donc, on continue par la maille. Elles ont toutes fait des t-shirts, des robes et des pantalons. Alors, Marie-Lise. Ah non, elles ont fait aussi des pyjamas. On va commencer par les pyjamas. Marie-Lise en pyjama rose. Alors, le petit pyjama a été réalisé par sa mamie, je pense, Chantal. C'est très joli, très mignon. Tu veux faire un petit tour comme ça? Oui. Je vais retourner une deuxième fois. Bravo! Alors, Janine, en peignoir.
Bon, c'est pas tout, hein, elle va l'ouvrir. Alors, je vais vous dire, je crois que c'est l'événement que son mari a préféré. Tout événement, une petite histoire. Et donc, Anne, qui a réuni la patronne. C'est toujours le travail d'Aurélie, qui n'est pas là, avec une incrustation devant elle. Elle a cette petite idée, toujours à comme les autres. Bravo. On a encore un pyjama. Elle me dit que je l'ai déjà porté, mais c'est pas grave. Alors tout ça, c'est fait avec la machine spéciale sur le toit. Alors, suivent les t-shirts. Michel. Michel est débutante. Enfin, débutante depuis un an, comme vous. Merci. Nicole. Oui, c'est pareil. Voilà. Y'a pas de merci. On a fait combien? Trois. On a fait trois. Alors. Nicole a fait la robe, mais c'est le même principe. Elle est toujours en jersey, avec une encolure en bleu et un petit col. Très joli. Bravo, merci. Il me reste Janine. Non. Janine n'est pas tout à fait prête. Je vais vous dire aussi, elle est ma première main. Mais elle est devenue aussi mécanicienne. Parce que nous deux, on répare toutes les machines. Ça fait marrant. En maille toujours, hein. Maille Armor Luxe. Il y a encore quelqu'un d'autre? Non. Non. Alors, c'est elle qui... Ah non, il y a... Évidemment. Ton t-shirt en or. Donc, on décide du programme en même temps, souvent, en début d'année. Alors on me dit, bah, maintenant il faudrait qu'on apprenne à faire des cols, col à pied de col, col pluvine, des poignets, des fentes, en anachérable, enfin tout ce qu'on veut. Alors, eh bien, dans ce qu'elles doivent créer, elles doivent avoir tous ces éléments-là. Donc, on commence par Gisèle. Gisèle qui a mis un col pluvine. Voilà, c'était... Anna porte un chemisier classique. Enfin, c'est pas le seul. Hein.
voilà un, et on en verra deux. Tu la relis, elle n'est pas prête. Vite. Ah. Vous voyez que Vite a ses idées personnalisées. Et d'autre part, je ne vous ai pas parlé des sacs en voile. Tous les ans, on consacre 2 semaines pour la confection des sacs en voile de bateau. Elle aime bien travailler cette matière. Elle a beaucoup d'idées pour assortir des éléments. Et donc le haut et le bas, c'est fait maison. Alors, Malou, elle s'est dit qu'avec une veste en jean, ça fait. C'est aussi sympa, je croyais que tu devais apporter ton sac. Elle a toujours un col et puis le boutonnage, donc ça rentre dans notre programme. Après, c'est Marie-Lise, je crois. Elle est prête. Marie-Lise. C'est pas une chemise de nuit. C'est une robe chemise. Avec un col volanté, des petites garnitures à l'intérieur. Elle le porte bien. Un vrai mannequin. C'est Christine après. Non, c'est Anne. Je pense que dans la salle, il y en a beaucoup qui veulent. Le devant, c'est du tissu. Elle a fait ses boutons dans les coloris. Et les manches, c'est du patchwork. Des morceaux unis avec de la broderie sur les manches. Vraiment bien étudié, c'est doublé. Je dirais que Anne aussi est une de mes anciennes élèves. Élève après. Oh là, la robe chemisée rouge, colle à pied de colle, un sac que tu as fait à peu près en premier. C'est pas là. Là, c'est le sac que vous avez fait. Oui, voilà, on a fait un sac en jean aussi pour apprendre à faire des poches plaquées, des poches à l'italienne, un montage de ceinture, un doublage en fourreau, fermeture. Voilà, c'était une étude d'atelier. Bravo! Nicole a un penchant pour le vert. Anna, je crois, revient avec sa deuxième version. Classique toujours, mais blanc, un très joli tissu. Elle est chic. Le
pantalon est fait par elle aussi. Elle ne porte que des pantalons qu'elle a fabriqués. Elle me dit, je ne reviendrai pas pour le pantalon parce que tu as déjà dit que je pensais. Bah, c'est pas grave. Notre sportif qui a réussi à finir son chemisier rose. Je n'avais pas vu fini. Je crois qu'il faut des manifestations comme ça pour finir les travaux. Donc tous les travaux ont été finis. Bravo, merci. Alors, Claudie arrive. Alors, avec ses fiancés. Donc avec Mila et Armel, un beau jeune homme, on a fait un joli pantalon noir. Claudie travaille aussi dans le compliqué et le t-shirt qu'elle a fait, il y a des bandes unies et des bandes à raccorder et elle a tout raccordé. C'était compliqué. Et la petite robe, elle est pleine de découpes aussi, avec des fronces. Voilà, c'est du beau travail. Quant à elle, elle a fait sa robe chemisier, qu'elle peut porter en veste ou en robe. Ils peuvent aller tous les deux, peut-être. Tous les deux. Alors, on en est à Anne-Louise. Ah, Anne-Louise avait décidé de se faire une petite fête ce jour-là. Ah non, c'était pas prévu le village. Bien. Là, on va les laisser se reposer. Pas se reposer, mais changer de vêtements. Oh! Oh là 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 là! Est-ce qu'il me voit? Anne-Lise avait encore une robe à vous demander. Elle commence son cours et elle termine à la maison toute la semaine de travail. Que j'ai envie de faire manger. Bon, donc, je vais vous parler un petit peu du téléthon. Elles n'ont pas d'aide dans les coulisses, donc il faut qu'elles se reposent. Elles sont très jeunes. Si nous avons organisé cette manifestation aujourd'hui, c'est aussi parce que notre atelier est sensibilisé à la maladie et à la recherche. Je suis atteinte d'une maladie rare appelée dystonie depuis 30 ans et j'ai dû me battre pour la faire reconnaître. Cette maladie neurologique touche les noyaux gris du cerveau depuis 30 ans et j'ai dû me battre pour la faire reconnaître. Cette maladie neurologique touche les noyaux gris du cerveau et en même temps provoque des mouvements anormaux. Pour moi, le diagnostic a duré 4 ans. Dans mon cas, ce sont mes paupières qui sont touchées par cette maladie neurologique. Et si vous voyez mon panneau, c'est le panneau de mon association de malades avec lequel j'ai parcouru pendant plus de 20 ans
pour faire de l'information. Vous avez le torticolis spasmodique, quelquefois la tête tombe d'un côté et vous ne pouvez plus la redresser, ce qui fait qu'il y a des contractures très très importantes et très douloureuses. Elle peut tomber à gauche, à droite, devant, derrière, mais en tout cas c'est très douloureux. Moi j'ai un blépharospasme en deuxième. Le blépharospasme, c'est que je n'ai pas la commande de mes paupières. À l'intérieur ça va, mais à l'extérieur ça ne va pas du tout. Vous avez aussi la crampe de l'écrivain, ceux qui écrivent beaucoup ou qui font de la musique, un beau jour peuvent se retrouver avec une main qui se déforme et qui tourne, il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit. Donc ce sont des maladies qui sont quand même importantes. La dysphonie oromandibulaire touche tout ce qui est larynx, voilà. La dysphonie généralisée aussi, il y a des enfants qui naissent et qui ne commandent rien du tout, qui ne commandent pas les membres ni la tête, mais on a tous des facultés normales, les facultés intellectuelles ne sont pas touchées. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est mobilisé pour la recherche, et tous les ans, en fin d'année, on fait un don. Mon association, évidemment, on l'a fait, mais on l'a fait aussi pour le neurodon. Le neurodon, c'est la recherche pour ce qui concerne le cerveau, comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques et bien d'autres syndromes dont on ne connaît pas les noms. Il n'y a pas de nom. Donc, la recherche, c'est quand même très important. Notre atelier aussi consacre du temps à fabriquer des bonnets pour ceux qui sont atteints du cancer lorsque la chimio s'impose. Donc régulièrement, on est en contact avec un hôpital de Brest et toute l'année, on leur fournit de jolis turbans. Oui, de très jolis turbans, et puis on n'a pas du plaisir à le faire, mais je sais que c'est un réel besoin de les avoir. Donc, dans mon cas, il n'y a pas de traitement miracle. Il n'y a pas encore de... ce que l'on peut faire, c'est de la toxine botulique, si vous connaissez. Ou alors la stimulation cérébrale profonde qui fait que l'on met un boîtier dans le cerveau pour essayer, comme pour la maladie de Parkinson, de pouvoir marcher ou de faire quelque chose. Voilà. Alors, aider les autres malades a été mon premier travail associatif. J'ai accepté la responsabilité en tant que déléguée de Bretagne d'Amadis de 1996 jusqu'à 2022. Je viens d'arrêter là parce que il me faut un chauffeur et puis ça devenait compliqué. Mais j'ai des contacts avec des personnes de toutes les régions de France et même d'outre-mer, de la Guyane en particulier. Je peux dire que dans le Finistère, il y a quand même 40 touchés, 40 personnes qui sont touchées. À Vicigny, il y en a aussi. Et en Bretagne, sur les 4 départements, il doit y avoir 150. Cela m'a aussi aidé à accepter ce qui m'arrivait au niveau de la maladie, cette souffrance, ce poids que l'on a en nous, de ne pas pouvoir aller au travail, ne pas être autonome, ne pas pouvoir lire, se promener toute seule, regarder la télé, aller au cinéma et faire les magasins. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. La recherche est donc très importante, pas que pour le cerveau, pour les autres maladies aussi, mais le Téléthon nous concerne tous. Notre défilé a été organisé en ce sens. C'est une mobilisation pour la recherche. 36-37, vous connaissez ? En effet, un chapeau passera dans la foule tout à l'heure.
Ou alors, vous aviez aussi une urne au fond, si vous voulez faire un don pour le Téléthon, qui peut être déductible de vos impôts. Voilà, dans mon cas, mes paupières ne m'obéissent pas, et mon but ce soir est de les garder ouvertes. De garder les yeux. Voilà, je crois qu'elles ont eu le temps de se préparer. Alors, comme on fait les bases de jupes et de pantalons, elles ont eu la possibilité de fabriquer soit un pantalon, soit une jupe. Alors, Janine, le pantalon à pont. Toujours à la marine. C'est normal, son père est dans la marine. Alors, c'est une petite qui porte une jupe colorée, comme elle a voulu. Elle fait des découpes un peu partout, et puis voilà, ça donne ça. Bravo, ben oui, je me rappelais plus de celle-là. C'est vrai qu'il y en a tellement. Alors je crois que c'est Gisèle qui arrive avec sa mini-jupe. Facile à faire, hein, Gisèle. Une demi-journée. Et c'est bon. Alors, Anne-Louise est dans les trousses et les bonnes. Chacun fait comme elle aime. Elles sont libres. Ah, voilà, c'est notre sortie. Elle a voulu son pantalon en maille. Prête à aller faire du land. Bravo Chantal. Tout va très bien en plus. Tu ne voulais pas le porter, mais devant tout le monde, c'est très bien. Allez, on arrive au pantalon fluide. C'est ça, c'est ton pantalon fluide. Hein? C'est ça, Marie. Vous êtes arrivée très vite. Elles ont fait des pantalons aussi un peu plus larges. Après le pantalon classique, facile à enfiler, facile à porter. Il y a l'élastique à la taille, donc super. Et ça lui va très bien. Et elle porte un sac aussi qu'elle a fait elle-même, doublé. Assorti, doublé. Voilà, il y a de la recherche hein, dans leur travail. Bravo, merci. Oh là là, il y a une chapeautée là qui arrive. Non. C'est ma débutante. Alors, avec son pantalon aussi un petit peu large. C'est même comme ça, non. Bravo. Alors toujours, ça c'est facile à faire. Hein. Alors Anne-Louise, elle avait choisi ce pantalon vert.
avec un autre événement par la suite. Très joli. Bravo. Marie-Lise. Marie-Lise avait oublié qu'elle avait ce pantalon-là, mais elle est tout dehors. Vous voyez qu'elles ont une garde-robe importante. Ça va très bien. Super. Oh là ! Pas de filon qui reconnaît là. Ah, le sac qu'elle porte, elle a aussi créé pendant que les autres faisaient le jean ordinaire. Mais elle a tout ce qui avait été imposé, le dur doublage. Tout le monde. Merci, bravo. Non, j'ai mis le pardon. Janine, pour le Kurnik, c'est super. Hein. T'en as des tenues pour aller au Kurnik Café. Au Kurnik Café, pardon. C'est bien, habitons près de la salle de restauration, là où elle travaille. Elle est là pour ouvrir les portes, chauffer avant qu'on arrive un peu, et puis déjà descendre mannequin et tout ce qu'il nous faut pour travailler. Donc, merci beaucoup à Jeannette. Alors, on continue avec de la fantaisie, de liberté, envie. Alors, Anne-Louise. Non, c'est Guy, là. Approche. Ah, je te reconnais pas. C'est un bouclage en maille synthétique. Pas besoin de repasser, on sort de la machine et on entend. Bravo. Hola. Hola. Manu est prête pour aller en vacances. Les Pyrénées. Et voyez, son sac a été fabriqué aussi en voile de bateau. On fait ça à peu près avant les vacances. C'est chouette, tu peux retourner à Argelès. Quand même, on fout un chapeau, un sac, j'ai du mal à le porter. Alors, son sac, c'est un sac de plage aussi, hein. Recto, verso, matière de voile, et puis je crois que c'est d'une publicité d'une pharmacie pour les médicaments. Voilà. Et la maille, je vais vous dire, c'est la maille qu'on a récupérée aussi. On a beaucoup de points de chute avec les fabricants de soutien-gorge ou autre. Et puis on a des fournitures de temps en temps et dont on s'en sert. Donc ces robes-là sont des tissus qui n'ont pas été recyclés mais qui ont été donnés. Voilà, alors qui suit là maintenant, c'est Janine. Bonne
vas mettre ça pour aller à la pêche. Hein. Bon, je crois qu'on a fini avec les... Non, alors Git, tu peux t'avancer. Je vois mieux hein, quand tu t'avances. Voilà. Elle a voulu comme ça, moitié bleu, moitié blanc, le sac a sorti. Ensemble, elle, donc la jupe et la petite veste. Alors, l'événement qui vont être présentés maintenant ont été fabriqués pour des occasions particulières, des mariages, des... Donc, ce sont quand même des événements haut de gamme. Haut de gamme, je dirais même que certaines relèvent de la haute couture. Voilà, Anna. Une robe en dix bleus. On a un petit peu mal à monter parce que dessous elle a un fourreau rose et il fallait. Elle est accrochée la robe. Oui, elle est accrochée la robe par dessous. Elle est très jolie. Alors après c'est Annie, je crois. Annie. Cette dame, elle veut des choses compliquées des fois. Elle me dit je veux un drapé comme ça, et puis voilà, il faut faire un moulage sur elle. Donc, ben, normalement, c'était une robe, c'est devenu un petit haut, et elle va revenir avec une autre version. Bravo! Janine aussi avec une robe. Merci. Confortable. Confortable. Chaude. Et drapée. Ah. Doucement, doucement, c'est tout le monde. Elle ne se refuse rien. Une robe menton, c'était pas prévu non plus, elle est doublée. Les carreaux sont raccordés. Très belle pièce. Les tissus à carreaux, mais elle n'a pas pensé qu'il fallait les raccorder. Mais c'est bien. Attends, une grande photo devant. Bien raccordé, ça te va. La famille des petites bottines, si. Voilà, ça suit. À suivre. Bon, ben voilà. Alors une robe en crêpe,
en crêpe avec de la guipure dans le haut, avec un biais tatin, des petites manches, et puis une finition avec un biais tatin. Ça lui va bien. Non, mais vous voyez quand même que le tomber du vêtement est bien. Que c'est toujours à leur taille et elles sont pas serrées dedans. Alors, c'est Anne-Louise qui suit. On avait décidé de faire une petite veste. Une petite veste. Veste simple, c'était une petite veste avec une doublée, une poche intérieure et une ganse tout autour. Mais il y a eu d'autres versions beaucoup plus compliquées. En tout cas, l'ensemble est très joli. Bravo. Assortie avec une jupe blanche. Je t'aime bien les jupes. Voilà, et sa petite veste a été une réussite aussi. Bravo. Voilà la deuxième version de Marie-Lise. Le sac qui a été fait aussi en étude en début d'année. Voilà. Bien assorti. Le chic. Le chic est toujours. Oui, alors, je crois que c'est Anna qui arrive. Voilà, c'était des petites vestes style Chanel. Oui, elle montre sa robe aussi, la robe drapée qu'il a fallu faire sur elle, mais elle la porte bien, et puis avec la veste, c'est bien la sortie. Alors les vestes sont des petites franges aussi, beaucoup de travail bien, les poches ont été montées à la main, comme chez Chanel. Voilà, bravo. Petite veste de Chanel, toujours. Calme, t'es pas au sport, non, attends. Alors, elle a mis des petites franges partout, les poches montées à la main, doublées évidemment, parce que voilà, et puis les manches sont bien montées, l'aplomb est bon. On regarde tout ça. Alors, Janine aussi, tout d'astro. En lin, doublée, et puis elle s'était une petite jupe à sa façon, que tu peux montrer aussi, jupe portefeuille, voilà, bravo. Michel n'avait pas fini son travail, donc j'ai pas tout lu. Une jupe porte-feuille. Oui, tu es très élégant. Tu as réussi à finir. Ah ouais, merci. Merci.
Oui, la famille du temps. Merci. Très difficile à travailler, très lâche, et qu'il a fallu thermocoller entièrement, parce que sinon tout partait. Donc elle a eu peur, parce que le tissu étant très cher, il fallait quand même réussir. Ben voilà. Et là, Anna revient avec une petite veste noire. Je crois qu'elle a été la première à faire cette veste et puis tout le monde en a eu envie. Hein, c'est ça. L'histoire, c'est ça. Donc, dessous, une robe en crêpe noire. Doublé en fourreau, et tout est doublé chez vous. Pardonnez-moi. On a vu tout le monde. Ça va bien. Coucou. La Chantal vient de... Non. Vient de terminer son trimestre par cette petite veste qui est très jolie, qui va bien avec ton pantalon noir et ton t-shirt. Bravo et merci. Ah, Cathy, je ne l'avais pas vu finie non plus. Il a fallu mettre des bouchées d'eau pour finir. Deux secondes. Hein. Alors, comme on n'avait pas de mariée, moi j'ai demandé si on pouvait pas, si on n'avait pas des petites filles, des petites princesses à présenter. Alors, Anne-Louise, Chantal. Tourner pour voir que tu as un cerceau en dessous. Mais vous pouvez aller jusqu'au bout. Papa et maman ne sont pas là. On va faire un coucou, je ne sais pas où ils sont. C'est du boulot, c'est plus bêtement. Thank you.
représenter, mais j'ai eu l'occasion, j'ai été motivée pour faire une robe de gala pour ma petite fille Océane. Ce gala n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu le Covid, mais la robe n'a pas été portée non plus, mais elle va être portée par Noémie, par Léonie ce soir. C'est une robe qui n'a pas été faite pour elle, mais bon, au moins on la voit portée. Elles n'ont pas les mêmes mensurations au niveau poitrine, mais ça colle bien. Ensuite, toujours chez Christine, il y a eu des mariages. Donc, Lilou porte une petite robe. Retourner une deuxième fois. Ouais, donc Christine a vécu de grands moments cette année, un mariage à la maison. Ça représente du travail. Mais l'occasion aussi de se faire plaisir et aussi à sa petite fille que l'on vient de voir. Elle a participé. Alors, c'est toujours une robe que Christine a fabriquée pour un autre mariage, je crois, pour sa nièce. Tu peux enlever le haut, on verra la robe. Alors pour ce même mariage, je t'arrête parce que tu cours ce micro. Pour ce même mariage, un perfecto a été fabriqué et conçu sur un mannequin. Il a été porté sur une belle robe de mariée. Bravo Christine, je sais pas où elle est. Elle est là-bas. Ce n'était pas gagné d'avance de trouver la matière et le fabriquer. Elle mérite des applaudissements. Elle a porté par Claudie, qui n'était pas forcément la mariée. Le premier trimestre de l'année 2023-24 a été consacré au final. On voulait un final qui soit un petit peu chic, donc elles ont eu l'occasion de faire une robe qu'elles vont porter soit pour Noël ou pour des occasions chic. Il y a de la guipure, il y a de la dentelle, c'est de la maille, c'est du tissu, mais enfin vous allez voir ce qu'elles ont fabriqué pour le dernier passage. Alors je crois que c'est Anna. Une petite robe à bretelles avec la petite veste en guipure. Évidemment, parce que c'est elle qui décide de ce qu'elle veut. C'est pas moi qui commande. Pascal, et bien, c'est bien.
pas où tu vas aller comme ça, mais... Hein? Réveillonner. C'est bien, bravo. Claudie. Non, Claudie, ne pas Claudie, pas ça. Guite, avec un pantalon blanc et un top rouge en dentelle. Le pantalon n'a pas été fait en gros. Bravo, Jeanne. Bravo à toi. Alors, qui n'a pas passé ? Malou. Malou, sa robe est bleu marine. Noir, pardon, robe noire, et le couleur est en dentelle de marine. Très chic. Bon réveillon. Anne-Lise, oui, voilà, elle porte tout ce qu'elle veut. Gisèle, comme elle avait envie, une joue l'argent en envie. Je crois qu'elles ont tout à fait. Oui, ben voilà. Alors, notre défilé prend fin. Que puis-je dire ? Un grand merci aux adhérents d'être montés sur podium avec leur création. Elles ont été débutantes et connaissent le béaba du travail, du beau travail d'ailleurs. Je pense que vous n'avez pas vu beaucoup d'étaux dans ce qu'elles ont porté. Elles ont appris que le repassage était important et compris que j'étais aussi plutôt exigeante dans le travail. Bravo à toutes et vous allez les retrouver tout à l'heure à l'entrée, peut-être pour parler avec elles, prendre une boisson et peut-être parler chiffon. Alors moi je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés. La lumière me gêne. Ah, bref. Un grand merci donc à tous ceux qui nous ont aidés pour faire de la salle communale aujourd'hui comme un salon. Herveline et René, qui étaient référentes du Téléthon à la mairie, qui étaient d'accord pour tout, et ça nous arrangeait bien. Les services techniques de la mairie pour l'installation du podium. Les serres de Ravelin, Céline Roy, pour le prêt des plantes. Jacques et Rodolphe, les spécialistes du son et de la lumière. Famille rurale qui nous a prêté les locaux pour se changer. Et puis aussi pour. J'ai Emeline ici. Il y a une caméra sûrement là devant nous qui va nous faire un petit film parce que c'est un petit peu traumatisant d'être derrière, de défiler et de ne rien voir de ce qui se passe. Donc il y aura un petit film qui sera fait par la spécialiste du numérique. Solène pour l'enregistrement des morceaux de musique. C'était sympa aussi. Les compteurs de la nuit de Carlemont pour le prêt des gris et l'habillage. En fait, il n'y a qu'à demander et on a tout ce qu'on veut.
les maris pour le transport des plantes, le montage du décor. Et puis voilà, est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Je crois que j'ai tout dit, peut-être que Herveline ou René voudraient dire un mot par rapport à ce défilé, par rapport au Téléthon. Elles sont là. Oui. Vous pouvez vous avancer un petit peu, plus près. Comme ça, il y aura une belle photo devant les panneaux. Merci aux ateliers d'Ambroisine et à toute son équipe pour cette soirée. C'est donc la deuxième soirée du Téléthon, parce que déjà, si je ne me trompe, on a vu pas mal de monde dimanche dernier lors de la pièce de théâtre. Donc ce soir, c'était Ambroisine. Et nous allons continuer samedi prochain par un repas à midi, puis ensuite, les ateliers d'Ambroisine, art et loisirs, famille rurale, les crêpiers, comment les vanniers, comment les agriculteurs, grâce aux tracteurs, les calèches, vont animer le bourg de Guissény samedi. Le soir, nous allons avoir un fest-noz organisé par Ravel Drault. Donc, on va pouvoir encore de nouveau faire la fête. Puis le dimanche matin, tous ceux qui aiment, qui sont un peu sportifs ou non sportifs, parce que bon, on peut marcher, on peut courir à partir de 9h. Pendant ce temps, les petits judokas de Lesnevin vont venir accueillir notre parrain, qui est Jason Grandry, et qui va aux Jeux Olympiques Paralympiques de Paris 2024, et qui sera parmi nous. Donc dimanche matin, comment à 11h il y aura la marche des élus, puis de nouveau un repas organisé par Liors à midi, et l'après-midi les trois chorales de Guissény organisent un concert à l'église. Déjà un grand merci à toutes les associations, parce que sinon le Téléthon, je crois qu'il aurait du mal à exister. Aux services municipaux qui donnent quand même un bon coup de main. Et puis on cherche quelques bénévoles, entre autres pour s'il y a des gens qui connaissent le fait de faire des crêpes, il nous manque quelques personnes pour les crêpes, donc s'il y a des gens qui peuvent venir donner une heure ou deux, ça nous arrangerait bien. Vous pouvez venir voir Herveline ou moi-même là actuellement. Et puis, pour les repas, il faut penser que, il faut s'inscrire pour mercredi prochain, ok? Donc voilà, je pense que j'ai dit à peu près ce qui se passait. Et merci encore à vous. Merci beaucoup. Merci au public, je crois qu'on est très nombreux dans la salle, il y en a qui sont dans le hall d'entrée là-bas. Alors je dis merci à tous, merci, merci, merci. Nous on te dit merci parce que de femme ordinaire, tu nous as fait faire quelque chose d'extraordinaire. Merci. Et on va terminer en chanson. Il y
y a une chanson qui nous va très bien, qui nous va très bien. C'est une chanson de Claude François, de notre époque. Elles sont toutes belles. Et voilà, on va y aller. Belle, 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 belle